Eh oui, voilà, c'est moi, je suis de retour, c'est l'automne. Vous avez vu, les feuilles tombent. Alors, c'est vrai que j'ai exagéré un peu le trait là, hein, un bon jeté de feuilles. Mais me voilà de retour, c'est moi Chris, Synodroïde, alias Synodroïde, pour les intimes de longue date. Je suis, oui, voilà, de retour. Alors, de retour après, mon Dieu, que d'absence. Cette absence prolongée m'a permis de tester beaucoup, beaucoup de téléphones. Mais je n'avais pas le temps de faire de vidéos. Pourquoi ? Parce que j'ai déménagé et je suis passé de la Picardie frileuse à l'Île-de-France plutôt chaude. Et où, vous l'entendez, il y a pas mal de circulation, même si a priori ce cadre-là, des marches en bois, ce genre de choses, des feuilles d'automne, un cadre a priori un peu bucolique, ben non, au-dessus ça circule, alors c'est pas une grande route. C'est juste une départementale, mais une départementale qui circule pas mal. Ici, non, ce n'est pas l'Auvergne, désolé. Les châteaux médiévaux, les lacs étendus immenses, non. J'en ai pas près de chez moi, voilà. Et s'il y a des lacs, il y en a, oui. Ce sont juste des retenues d'eau avec de la circulation autour et même encore plus bruyant qu'ici. Voilà, je suis désolé des bruits environnants, voilà. Alors oui, voilà, me voilà de retour. Et ce n'est pas pour rien que je suis de retour, parce que je suis vraiment, vraiment de retour. Et tous les téléphones que vous allez voir là dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, mis en vidéo, ont été testés là pendant 4 mois. Donc dites-vous bien que ce que je vais vous présenter, ce sont des vrais tests. Merci aussi d'ailleurs à Mulder qui me suit sur Instagram, avec qui j'ai conversé un peu, qui se félicite de mon retour et de mon impartialité sur les téléphones que je vous présente. Et effectivement, je suis, et ça je suis intransigeant, je ne fais aucun placement de produit, c'est pas le but de ma chaîne. Je veux vraiment vous présenter la vérité. J'ai testé beaucoup, beaucoup de modèles. Alors, pour faire rapidement, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est dédié au Pocophone. Ce Pocophone qui vient de chez Xiaomi, j'ai testé donc le Mi 8, ça sera mis en vidéo. Le Vivo Nex, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ce téléphone au prix où il est? Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est vraiment fiable et digne d'être au prix où il se trouve? La marque Oppo Vivo, voilà, tout ça, c'est des marques qui sont très actives actuellement. Et qui ont décidé un peu de venir en France, surtout par exemple Oppo, vous le trouvez par exemple sur la Fnac, sur le site Darty, sur le site Boulanger, me semble-t-il aussi. Donc voilà, on le trouve facilement. Mais qu'est-ce qu'il vaut ce téléphone? Est-ce qu'il est vraiment fiable? Est-ce que c'est du bon chinois? Est-ce que ça vaut le Xiaomi? Et même Xiaomi, est-ce que Xiaomi vaut tout ce qu'on annonce sur lui finalement? Ben, tout ça, c'est en me suivant que vous le saurez. Voilà. Mais pour l'instant, c'est, je vous l'ai dit, le Pocophone. Et le voici en image avant sa présentation globale. C'est tout de suite. Allez, je vous laisse regarder. Et puis, je reviens vers vous dans quelques secondes. Allez, je vous laisse regarder.